Coucou les gamers et bienvenue bien sûr. Bienvenue à nouveau. Salut YouTube, bien entendu, parce que j'ai dit coucou les gamers, mais YouTube ne se reconnaît pas forcément dans le gaming après tout ce qui se passe sur cette chaîne. Attention, santé, sécurité bien sûr. Et je bois, c'est très important de boire les enfants, de l'eau bien sûr, de l'eau, buvez de l'eau. Qu'est-ce que... Ah, incroyable, oula. Ça a changé. Alors ce qui paraît, il y a des trucs, un petit update, il y a pas grand chose qui a changé, mais il y a quand même quelque chose qui a changé. Je sais pas quoi. J'aurai la réponse. Mais bienvenue, quoi qu'il en soit, dans... Papi, mamie, la... Oh 9 points pour Yves. Beaucoup trop de choses qui se passent là actuellement. Beaucoup trop de choses qui se passent. Merci beaucoup, The Six Serenade. The Six Serenade. Pour le tiers 2 déjà, le tiers 3 même, incroyable. Et surtout cet écran titre incroyable. Oh là là, regardez, Browser, le navigateur, Princess Peach qui vient de s'envoler. Au secours, je veux revoir cet écran titre. Putain, incroyable, merci beaucoup encore à la personne qui a fait ça. Tu vois pas que je lis son pseudo, mais en tout cas, des gros bisous. Sensationnel. Merci Savir pour la base de Paper Luna, incroyable. Merci Savir pour ce petit dessin. Merci Minatsuki pour le touchement, et merci à vous d'être là, merci à YouTube, merci à vous de mettre des commentaires incroyables. Putain, c'est fou, ils ont tout fait. J'aime bien comment Cumulien n'a aucun trait de personnalité en plus, par rapport aux autres. C'est incroyable, et ça marque le début de ce stream sur Paper Mario traduit avec le Q. Au lycée, j'ai pas d'amis. Quoi qu'il en soit, nous sommes de retour après 20 heures de jeu déjà, incroyable. Comme le temps passe vite quand on fait de la merde. Et nous allons continuer, nous sommes sur l'île des pirates avec Mugiwara no Luffy. Et pas du tout Mugiwara no Luffy, mais Mugiwara no Flavio plutôt. Et bien sûr, notre ami Bombard. Toujours là, et regardez, incroyable, regardez YouTube, je vais arrêter de me plaindre. Je ne joue plus avec cette manette de merde, mais avec une manette GameCube. Incroyable, c'est comme si c'était vraiment le jeu vidéo au coin. Peach est le transpod depuis le début, incroyable. Donc nous sommes là, quel était le but de mon existence? Je crois me souvenir où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, bienvenue déjà. Attention, vous allez être choqués, le jeu en soi est le même, sauf que tous les dialogues ont été traduits avec Google Chrome maintes et maintes fois. On remercie encore FatGuy703, si je me trompe pas dans les chiffres, pour ce concept incroyable, hein. C'est lui qui a eu cette idée en premier et qui l'a réalisé d'ailleurs, qui a fait la traduction originale en anglais. On l'embrasse, encore des bisous à FatGuy, mouah. Bisous bro. Alors, on continue. Alors bien sûr, on prend les... Je sais même pas, je crois que ça vaut même pas le coup d'aller là, mais j'y vais quand même. Oh, ça doit certainement être incroyable. Certainement y avoir des choses folles là-dedans. Allez, Mario, on saute de joie. Protéger plus P. Renforce la protection. Heureusement que la protection est protégée. C'est un peu comme une Cochrane Shield. C'est-à-dire que même si vous essayez de lui faire du mal, vous protégez la protection. Tout va bien. En tout cas, on s'en fout, jamais je l'utiliserai. Donc bonsoir. Alors du coup, où vais-je? Je crois que j'étais censé aller là, mais que je ne peux pas. Ah oui, il faut que je débloque un truc, non, il faut que j'ai une manivelle ou je ne sais quel... Quel objet démoniaque. Mais je crois qu'il... Ah oui, je sais où il faut que j'aille, je me souviens. Ça y est, j'ai le lore. J'ai le lore dans le tête. Confirmer l'éthique n'utilise pas de protection. Ah si. Mais pour moi. Alors... Normalement, là, on continue. Bon, alors là, on s'emmerde, hein, bien sûr. Mais une fois qu'on a arrêté de s'emmerder, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a arrêté de s'emmerder, on vient là. Et on va récupérer là. La manivelle. Waouh! Ah non, pardon, c'est on fait du porte-à-porte. Sa queue aux cascades. Ah, mais c'est ça qu'il cherchait. C'est ça qu'il cherchait, Flavio. C'était sa grosse queue, elle est là. La queue en cascade. Très bien, bon, on va faire du porte-à-porte. Messieurs, dames. Bonjour, attendez, petit RP porte-à-porte. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez une queue? Est-ce que vous avez besoin d'une queue? Non, bon, merci quand même. Yes! J'adore tomber, c'est ma passion dans la vie. Oh bah vas-y, remets-moi au bout de la map aussi pendant que tu y es. Super. C'est la faute à la manette. Quoi? J'ai appuyé, j'en peux plus. Au secours! Si je retombe une troisième fois, j'offre rien. Voilà. Parce que je suis pas tombé, je le savais. Hop là, on s'arrête et on y va. Et hop là, Bombard, tu vas encore te la prendre. Et Bombard, mais à chaque fois je te dis faire attention. Pourtant là, il était bien calé, hein, le jeu vous trichait. Monsieur, vous trichez, Bombard, tu étais bien calé, il était pas censé se faire empaler comme ça. Laissez-le tranquille, déjà qu'il a perdu sa femme, ses enfants. Bon, y a pas l'enfant, mais du coup, comme il a perdu sa femme, il a potentiellement perdu ses enfants.
Je ne sais pas. C'est horrible ce que je viens de dire, excusez-moi. Absolument terrible ce que je viens de dire. Bon. Yes, j'essaye éperdument de faire ce passage. Je vais avoir un game over à force de tomber dans l'eau, non? On est d'accord, ouais. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment faire ce saut? J'ai envie de laisser. On ne va pas essayer. Je vais arrêter mes conneries, d'accord? Parce que là, ça commence à bien faire. Parce que ça fait le malin, mais au bout d'un moment, ça va tomber dans le ravin. Hein. Ouais, bon, n'oublie pas, bien sûr, d'utiliser la marniveau. Enfin, pardon, la porte-à-porte. Bonjour, monsieur. Allô, oui, est-ce que vous avez une queue? Ah, il nous a ouvert, c'est qu'il est intéressé. Oh, ironie du sort. Qui est... Ce son audio était recréé? L'âme est morte! Comment ça, ce son audio était recréé? Ça a été volé? C'était... Je vais avoir des copyrights YouTube là-dessus? Attention, hein. C'est pique, tu peux les passer en un coup avec Yoshi. Et alors? Et alors, pourquoi me gâcher mon plaisir? Pourquoi me gâcher mon plaisir de voir Bombard se faire empaler? C'est pas un truc ici? Ouais, il y avait un truc. Je l'ai déjà pris apparemment. Je dois faire quoi là? Ah, ouais. Et ça, je peux le passer avec Yoshi aussi, hein? C'est ça? Hop là, on s'arrête. Hop là. Mais attends, c'est pas du tout là qu'il faut que je... C'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Je suis complètement bourré. Excusez-moi. Au moins, il peut pas avoir de game over en tombant dans l'eau, j'ai déjà essayé. Ah ouais? Ah, on est bloqué à un PV? Dommage. Enfin, dommage, non, tant mieux. Mais ça aurait été assez marrant quand même, hein. Et petit Yoshi. Eh ben non. Eh ben tant pis. C'est dommage. Enfin, pardon, je viens. Rappelons-nous qui s'appelle Je viens. Attention, on y va. Allez, on va continuer notre porte-à-porte. On va demander aux gens s'ils veulent une queue. Une queue dans la cascade, bien sûr. Si je me souviens bien, faut aller à... Je sais plus. Je me souviens pas bien, donc du coup, c'est compliqué. Coucou. Coucou. Ah bah, c'est pas par là. Voilà, comme... Je crois que j'ai fait la même connerie que dans mon let's play, hein. Je suis allé au mauvais endroit au même moment. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bravo à vous. Bravo de décider de venir sur ce stream. C'est un choix. Pas terminé cette phrase. C'est un choix. Un choix, ça suffit déjà. Vous faites des choix, c'est bien. Ah! Attention. Voilà, je me suis fait piéger là! Je peux pas esquiver, frérot! Bah, c'est dégueulasse! Mais non! C'est dégueulasse! Je me suis fait baiser. Jeu de collabo là. Ah! Je me ferai pas voir! Je dois proposer ma queue à des gens au porte-à-porte. Putain, y a une émeute maintenant. C'est de chez qui, c'est de qui ça? Moi aussi je la veux à Ponce. Bisous à Ponce. Hey, quelque chose est arrivé là, nager sur l'eau. Ah oui, je nage sur l'eau, ouais. Où suis-je? Laisse-moi voir. Oh, je suis souffle, les gars. C'est bien, c'est bien. Est-ce à apporter le bateau, salut. Sur air. Vente, s'il vous plaît. Calme-toi, calme-toi. J'apporte le bateau, oui, j'apporte le bateau. Si ça peut te faire plaisir. C'est tout ce dont tu as besoin dans ta vie, je t'apporte un bateau. Après, c'est un bateau en papier, frérot, tu vas pas aller bien loin avec ça. Hein. Eh oui, c'est sans valeur. Oh, vous me donnez-moi un câlin? Comment ça, il veut un câlin? Vas-y, il veut un câlin, lui. Attends, j'arrive. On va te faire un câlin, voilà, il va être content. Désolé, je peux pas. J'ai essayé, mais je peux pas. Le jeu ne veut pas que je fasse un câlin. Ils veulent que tu vendes le bateau en porte-à-porte. Ouais, mais si je vends le bateau, comment je fais après? Bon, très bien. Petit Yoshi, on y va, on va dans l'eau. Je voulais essayer un truc. Je voulais essayer de sauter en arrière et que seulement petit Yoshi tombe. Mais j'ai raté. De toute façon, je peux pas mourir en tombant dans l'eau, donc c'est safe. C'est safe, bien sûr. Laisse-moi vivre ma vie, merci. Encore un moment très important de jeu vidéo, regardez. Regardez comme c'est extraordinaire ce qui se passe. Y'a un pote qui a dit en cours d'histoire, les collabos c'était pas tous des salauds. J'en sais rien. Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il était là? Il était peut-être là déjà. Peut-être qu'il a 1500 ans et qu'à ce moment-là, son existence, il en a connu un ou deux qui était vachement sympa. C'est pas impossible. Zbim.
Où est le deuxième? Moi, bah, il est juste là, d'accord, super. C'est vraiment là, on sent vraiment que. Je suis dans un instant gaming assez, assez intense là, j'ai besoin de beaucoup de réflexion pour réussir cette phase de gameplay très 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 difficile et qui demande une. Ah! Une concentration hors du commun. Est-ce qu'il était lui-même collabo et sympathique? L'histoire ne nous le dira peut-être jamais. Est-ce qu'on va vraiment parler de ça, non? Hein hey, allons-y maintenant! Bonjour! Hé! Hey, que sommes-nous? Allons-y! Les gars, ils sont paumés depuis tellement longtemps, ils savent plus qui ils sont. Ça arrive, hein, ils sont complètement paumés. En plus, regardez, ils ont tous la même gueule. Si ça se trouve, à la base, ils étaient 3 et ils ont fait 5000 enfants. Il serait peut-être temps que ça s'arrête, cette thématique, hein. C'est long. Ah, il y en a deux qui ont pas la même gueule. Hein. On les connaît, hein. Monica Bellucci et bien sûr... Monica Bella Ciao et Kevin. Kevin 39. Les deux nouveaux barons de la mafia. C'est vous dire l'état de la mafia dans Paper Mario, hein, bien sûr. Monica Bella Ciao. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Si jamais c'est pas le cas, je ne trademark pas. Je suis pas forcément fier de cette blague. Reviens. Reviens. Non mais reviens, je t'attends. Je pose, j'attends qu'il apprenne à nager. Il faut qu'il apprenne à nager, d'accord? C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on apprend la vie à la dure, dans cette vie, ok? Bon, c'est comme ça que j'ai élevé mon gamin. Moi, pour apprendre à nager à mon gamin, moi, j'ai foutu la tête dans l'eau comme ça pendant 5 minutes. Au bout d'un moment, il a fait ouh, et au bout d'un moment, il a appris à nager, moi, je peux te le dire, hein. Bah du coup, ah, il est noyé éternellement, on le reverra plus jamais. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Salut à Jovien, à qui on dit merci. Pour tout ce qu'il a pas fait, finalement. Parce qu'il a pas fait grand chose, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, merci à lui. Au revoir. Ah, je sais pas pourquoi, mais vous nous avez sauvés. Moi non plus, je sais pas pourquoi, j'avais le choix, hein. J'avais le choix de pas le faire, mais je l'ai fait. Ah, nous sommes venus ici pour trouver un chat pirate, et puis... Alors, un chat pirate, d'accord. On est vraiment loin de One Piece, hein. Notre bateau est entouré de gourmets en mer. On est tous là. Ah bah, c'est peut-être pour ça que vous avez survécu. S'il y a des gens qui savent bien cuisiner, ouais, ça doit aider. Surtout que mon cuisinier du... Bouffer du champignon tous les jours, ça doit être chiant quand même. Vous imaginez quand même les tonnes, hein. Si jamais ils sont pas bien, ils peuvent être cannibalistes, ils peuvent se bouffer entre eux. Et visiblement, ils se sont bouffés et reproduits entre eux, hein. Franchement, là, c'est une histoire très sombre, hein. Si ça se trouve, il y a un spin-off de Paper Mario sur ce qui s'est passé pendant ces longues années où les tonnes ont été... hein, voilà. Cela dit, de longues années, si ces deux-là sont là, en vrai, ça veut dire qu'ils sont sur l'île depuis 2 jours grand max, hein. Donc en vrai, ils devraient pas être aussi délabrés, les gars, hein. Vous exagérez un peu. Enfin bon, alors on va pas se... J'aime bien ne pas terminer mes phrases, c'est un peu ma passion. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais je... Hé, vous êtes Marion! C'est moi, Don Piano Svi, Franco! Ah, t'as changé de nom? D'accord, bah ça fait plaisir. Et Franck est là! Franck et Franco, on dirait vraiment un nom de dessin animé. Après le départ, nous sommes allés. Yes. Le navire était un peu trop près de cette île, et regardez-nous maintenant! Vous êtes toujours aussi dégueulasse, moi je vois pas de différence, hein. En tout cas, je suis désolé, Cortex vote! Oh non! Ah non! Mais attention! S'il vote, d'accord, il a le droit de vote, bravo! Il y en a qui se sont battus longtemps pour avoir le droit de vote, je vous le rappelle. Donc déjà, bravo à Cortex. Mais attention, ce qui signifie, c'est proche, qu'est-ce qui est proche? Pour qui va-t-il voter? Pour qui va-t-il voter? Est-il de gauche, est-il de droite? Est-il extrême centriste? Extrême centriste. Je vais boire un peu d'eau pour articuler un peu mieux que ça. Et pour oublier, bien sûr, ces blagues depuis tout à l'heure. Ah. Et de toute façon, pourquoi es-tu ici, hein? Ne me dis pas que t'es venu ici pour nous récupérer. Ah non, non, t'inquiète pas, c'est pas de soucis. Mario, dans la plus grande honnêteté, non, je m'en bats les couilles. Bah ok. M'en bats les couilles, frère. C'est bon. Quoi? Parce que les trésors sont les trésors et ne peuvent pas contenir une étoile de cristal? Ah bah si, ils peuvent pas contenir une étoile de cristal, pour qu'on est venu. Eh ben, je regarde Cortex mérite du véritable esprit. D'accord. Ouais, je suis pas convaincu qu'il était, mais vous regardez bien. Et de plus, les Black Cortex nous avec sa fusée. Ah, il a plus un bateau, il a une fusée maintenant. Putain, on n'arrête pas le progrès en Paper Mario, hein, c'est fou. Eh ben génial, merci à tous. Ouais non, je veux pas vous parler. J'ai pas envie, je suis saoulé. À la limite, si je veux parler avec l'autre. Lui, là, lui, je l'aime bien.
Eh, Franck et moi-même, encore en amour, amour, amour. Ah, tu vas pas me le redire 100 fois, hein. Eh, hey, Pudding Pie Cool, tu vas, je veux dire, allez, bébé, tout le monde regarde. Comment ça, tout le monde regarde, allez, bébé? Qu'est-ce qu'ils veulent faire devant tout le monde? On s'en va, on s'en va. Non. On s'en va, hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout simplement, inouï. J'ai été surpris. Merci Balti, Cortex 91 de la pyramide. Exact, c'est lui, c'est lui. Et il a le droit de vote, sachez-le. C'est un citoyen comme les autres. C'est qui, c'est le... Ah oui, c'est lui. Mais quelle est ta surprise? Ouais, je suis désolé. Je t'ai vraiment regardé, mais j'ai perdu mon chemin et... Ouais, mais j'ai suivi ce chemin et finalement attrapé eux. Puis, bah écoutez, oubliez ça, ok? C'est sûr que Crystal Star est dans un bateau pirate. Ce sera de la piraterie, Cortex, moi je suis aussi sûr, ouais, probablement. C'est pas grave, tu peux pas, gentil garçon. Nous comptons sur vous. Gentil garçon. Il est vraiment très très gentil, lui, maintenant. Garçon, tireur, je suis vraiment... Et ce sont des champs. Des champs aux Élysées. En tout cas, c'est très intéressant ce qu'il nous a dit, hein. C'est vraiment aucun putain de... d'intérêt. Il nous a vraiment que dit de la merde. Là, je réussis du premier coup. Mais attends, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en fait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me bats? Non, ça sert à rien d'aller là en plus. Y'a vraiment rien? Parce que pourquoi je suis là finalement? Allez. Ensemble. Ensemble dans l'eau. Mais ça sert à rien alors du coup? Putain, Lou, non, reviens, j'ai besoin de toi. Je vais revoir ça. Vous avez vu sa position lorsque... Ah. Ça, je m'en fous, de toute façon, je vais me soigner, mais... sa position... De toute façon, je m'en fous, hein, je vais me soigner. Sa position lorsque il tombe dans l'eau et qu'il revient et que je fais ça. Vous avez vu, il est... Bon, je peux pas vraiment le faire, parce qu'il faudrait que je bug sur place. Et voilà. Incroyable. Sauvegarde. Protégez-vous, tout beau jeu. Oui. Et nous allons nous soigner, bien entendu. Au cas où, quand même, hein. Je vais vérifier vite fait mes badges. Est-ce que j'avais gagné des points badges que je n'ai jamais attribués? La réponse, c'est malheureusement non. Alors, qu'est-ce que j'ai? Changement rapide, on va en avoir besoin. Strong plus P. Et Strong plus normal. Force de rebond, c'est la base. Ice Force, est-ce qu'on en a besoin? Il fait pas de feu, lui. Appelez-nous. Appelez qui, finalement? À qui, à quoi? Meteor, bien sûr. En fait, j'ai pas beaucoup de badges au final. Hein. J'ai quoi comme autre badge? Eh, j'ai même pas le truc là pour marcher sur les pics? Attendez, il me le faut le truc pour marcher sur les pics, il y a une épée. Appelez-nous, on s'en fout. Et Ice Force aussi, on s'en fout. Les pics. Il est le pic. Quoi, c'est 3 le pic? C'est un bouclier! Eh bah oui, c'est 3. Merde. Bon, à la limite, télécharger. Allez, télécharger. Ouais. On fera 100. Cliquez sur presse. Genre, c'est long. C'est vraiment fou. Protégeons tout sur les jeux. Ah, ça me semble pas mal. Ça me semble être une bonne idée. Oh, ignore mon avis. Oh, continue. Et tu as perdu dans les ténèbres. C'est dommage de perdre dans les ténèbres, effectivement. Allez, let's go. Oh. Allons. C'est Cortex 91, regardez. J'en ai assez d'acheter Ghost Hero. Mais je suis pirate, c'est incroyable. Les pirates n'aiment pas. Je suis un criminel de ce froid qui a volé des innocents de la vie et de la désobéissance. Et vous êtes un j'ai un trésor. Bon, on est content que t'aies un trésor, frérot, mais... non, vite, j'appuie sur A, c'est dégueulasse. Et ça, c'est mon vaisseau. Comment vas-tu? Parlez. Eh, déjà, la politesse. C'est pas souvent, là, la politesse chez les ennemis. Les ennemis disent pas, eh, comment ça va, frérot? Eh, non, les ennemis veulent nique ta race, direct. Lui, un petit peu de politesse, on dit merci. Bravo! C'est gentil. Mais je vais vider votre moustache, mec.
Comment ça, vider une moustache? Ça veut dire quoi, ça, vider une moustache? Tu fais comment, ça? Tu prends la moustache, tu la presses comme ça, tu fais... Et ta moustache, elle s'envole comme ça, ça... On dit raser, hein. Vider une moustache, ça veut rien dire. Yo! Ah, déjà? D'accord, moi, je m'attendais à plus de parlotte. Cette bataille est inévitable, je le sais. Luigi, dans le public. Merci, Luigi, d'être là. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Il y a le rap de Cyprien contre Cortex en fond dans la vidéo. J'arrive. Un pouce. Tu montes, c'est sûr, un bateau mouche. Au secours. Au secours. Est-ce qu'on peut arrêter ceci? C'est super déstabilisant. Au secours. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi il vous fait ça? Ah merde. Putain. Il a anticipé mes blagues sur Cortex, quoi. C'est fou. Bon, oui. C'est oui. Oh mais ça me... Oh Samuel, on va le manger, on va le sucer. Je le prends et je lui suce derrière, comme dirait l'autre. Bah oui. Ah gros skill. Ah j'en peux plus, j'entends que ça du coup. Ah. La sunset que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Oui, j'ai compris, Cortex. C'est Cortex. Ah pardon. C'est Cortex. C'est Cortex. Il est l'âme terrible de pirate qui se bloque sur l'île. Les PV max sont de 20, l'attaque de 4 et la défense est 1. Son HP semble être faible, mais il est très passionné. C'est bien. Et si son HP est 0, il revient. Il a également 10 différentes attaques. Ça semble effrayant et effrayant. Bah, tout le monde se répète ici. Hein. Continue à lui faire du mal, et bientôt il tombera pour toujours. Continue à lui faire du mal. On va le détruire. Donnons un agressif le souffle pour toujours le repos. Très bien. Ah, j'ai mal. Putain, mais j'entends que ça. Je vais enlever mon... Je vous jure, je vais enlever mon masque. Mon casque. J'enlève mon masque. Faut que je me transforme. Qu'est-ce qui, quoi? Un bon mouton, bravo. Est-ce que ça marche, un bon mouton sur lui? Ouais, je sais. Tu chercherais pas des amis? Ah oui, les moutons n'ont même pas existé pour lui, en fait. Bon, ça m'intéresse, oui. Ça ne m'étonne pas, mais... Pourquoi j'ai fait avec Goumeli? Aïe, 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 je n'arrive pas à avoir le bon timing. Qu'est-ce que quoi encore? Mais laissez-moi tranquille! Il vient d'avoir 30 ans. Putain, je n'entends que ça, au secours! Il faut que je termine vite ce combat! T'étais déjà majeur! Vite, l'art de l'attaque! Quoique non, ça sert à rien, là. Non, ça sert à rien. Ah oui, je peux me rendre plus fort et tout, non? La seule c'est que tu montes, c'est sur un bateau mouche, on a compris! Cyprien, ferme ta gueule! En ligne, oui! Putain, j'en ai marre, j'espère que vous l'entendez pas, c'est mieux pour vous, hein. Mais moi, je n'entends que ça. Pour ceux qui auraient vraiment une oreille de merde, ou un son mauvais sur leur ordi, c'est possible aussi. Actuellement, il y a le clash... Non! J'ai monté, monsieur! Je suis venu. Putain, dégueulasse, j'ai fait une prestation minable. La seule scène que je monte, c'est sur un bateau mouche. Tu viens d'avoir 30 ans. Je l'ai même pas tué, quoi. Mais... Ah, quand même! J'en ai quand même un, merci. La seule scène que tu veux est sur un bateau mouche. C'est horrible. J'ai un bon son, mais je l'entends difficilement. Mais je pense que c'est normal. Je pense que je l'entends plus fort que vous. J'entends la musique plus fort que vous. Cyprien le Mongolien! Il est reviendu! Il est reviendu, il va repartir très vite.
Allez, mange Timur. Et c'est reparti. Tu viens d'avoir 30 ans. J'en ai marre. En plus, c'est vraiment les 4 mêmes paroles qui tournent en boucle. Oh là là, laissez-moi tranquille. La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Oui, on sait. J'ai pas l'air de l'attaque, vite. Nous allons y remédier tout de suite. Gumili, travaille. Bravo, Gumili. L'art de l'attaque. Tu connais tous les ennemis qui entourent l'étoile. Je vais apprendre à les connaître. Épée Cortex, Cortex Tail, Cortex Cowet, Cortex et Cortex Eury. Très bien. Tu viens d'avoir 30 ans. Putain, j'entends que ça, ça me rend fou. Bon, vous, je vais vous tuer tout de suite. Voilà, merci. Comme ça, je peux me concentrer ici. Waouh, éclaté. Mais elle est où la hitbox de Cortex? La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le Mongolien? J'en ai marre. Ça va me rendre fou, les gars. Oh, mais non! Voilà, ça me rend fou, ça atteint ma santé et mon intégrité mentale. J'espère que vous l'entendez très bien, vous aussi. Vous, je préfère beaucoup plus. Mais c'est quelque chose de spécial. Il va encore bouffer le public, cet enfoirax. Maintenant, vous verrez le vrai puissant, c'est mon ème. Mais arrêtez de manger le public tout le temps, c'est chiant, le gars. 49. Ah bah, il a buffé 49 personnes. La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Putain, il a bouffé Luigi. Il a bouffé Luigi. Mais non. Luigi. Luigi, non. Reviens, Luigi. Reviens. Putain, mais je suis dans la merde. C'est que c'est Tonton. Tu viens d'avoir 30 ans. Putain, j'entends que ça, je n'entends même plus la musique de Paper Mario. J'entends que le clash de Cortex contre Cyprien, en fait. Ça me rend malade. Je te déteste. Non, moi, je t'aime, merci beaucoup. Mange tes morts. Enfin, mange-toi, finalement. Mange-toi à toi-même. Oh là, mais quel combat intense où j'ai perdu la moitié de mon public, super. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis? Allez, casse-toi, là. Chais. Salut, mon... Ah, on va enfin arrêter d'entendre cette merde. Oh. Dieu merci. Les points badge, c'est la vie, c'est très bien. Les points badge, j'adore. Pardon, j'avais peut-être mis un peu beaucoup. Garantie. À quoi t'es, à la matmute? À la matmute? Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Putain, sub goal, on a 0 sub, qu'est-ce qui s'est passé? Personne, plus personne n'a sub à cette jeune. C'est la fin de ma carrière. Au revoir. Salut, mon. C'est pas grave. J'ai une garantie pour les subs aussi, vous inquiétez pas. Une imitation de Las Palais. Eh ouais, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Il est tout petit? Je l'ai fait. Yo! Stupide, ami. Où est-ce que je ne m'y repère? Cette technique est utilisée pour tuer un enfant. Ah! Non, c'était pas mon but, hein. Je voulais pas tuer un enfant. Ne détournez pas ces propos, monsieur. Mais mon esprit respecte notre richesse. Ensuite, vous ne pouvez pas faire des beurres de couée. Chimeur, connard. Aucun respect. Aucun respect. Je suis mort, connard. Mais comment est-ce qu'ils font pour être des insultes comme ça en plein milieu de leur phrase?
C'est pas gentil. Quand un fils tape. Milubi brille sur antenne d'Annie. Trésor et type risque aussi réduit que les mères. Et vous ne vous souciez pas de mon amour? Bah tu viens de me traiter de connard en même temps, au bout d'un moment je peux envie, hein. Mais que fais-tu ici? Hein? Vous aimez ça, mon ami? Oui, c'est une petite pierre, vraiment? Une petite pierre, elle, comme, elle fait la taille de Mario, hein. Moi, c'est pas grave, tiens, prends-le. De quoi j'ai besoin, sauf pour un gentleman ou deux. Moi, j'aime pas ça. Est-ce que tu crois pouvoir acheter mon amour avec une étoile? T'as peut-être raison. Vous avez un cristal stellé. Incroyable. Ouais, c'est presque une bonne traduction, finalement, Crystal Stellar. Franchement, c'est presque beau, dit comme ça, Crystal Stellar. Moi, j'ai envie de garder, vraiment, cette appellation officielle. Dans un prochain Paper Mario, on veut des Crystal Stellar. Votre puissance est désormais de 6. Mario apprend spécial exercice de Noël. Wouh, c'est Noël. Comment ça, exercice de Noël? Comment est-ce qu'on a pu passer à ça? Comment ça, exercice de Noël? Oui, d'accord. Ben, un plaisir. Bon, en tout cas, il va falloir charbonner les subs, hein, pour revenir au sub goal, les gars. 0 sur 625, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ben, merci. Merci, merci. Merci. Incroyable. Bon. Ah, vous savez ce que ça veut dire? Cortex, une catastrophe marine? Ah, c'est pas gentil. Mario a gagné l'esprit de peur et a blâmé l'étoile de cristal. Peut-être Cortex et les morts, les navires n'ont pas peur de réduire le climat mondial. Bah, super. Je vais sauver Marius. Oui, c'est bien. Cette laitue est juste le reste de l'île. C'est une action distincte. Et peut-il y en avoir un autre sous le nez du héros? Très bien, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Que dalle. C'est qui Marius? Bon, on sait pas. Vous savez, il y a plein de personnages qui pop comme ça à la tournée. Ah, c'est pas fini? What? Ah oui, bah oui. Mais tu dois le faire, si vous n'avez besoin de rien, sinon... Allez, l'ami. Moi, étoile un jour, rond étoile. Ensuite, j'ai entendu quelque chose qui n'en croyait pas vos oreilles. Et nous avons trouvé le légendaire trésor du roi Cortex et les pirates. C'était étonnamment précis. Ah oui, j'étais viré comme un malpropre. Bande de malpropres. Au revoir, Goumeli, hein, t'aimais bien. Enfin, Goumel, pardon. Allez, boss. Putain, je pensais qu'on allait avoir Tech et Peach tout de suite, mais pas du tout, je me suis trompé. Du coup, annuler les pertes de Mario et recevoir 1. Ah, du coup, je sais pas si c'est dire puissance plus et défense moins, ou puissance moins, défense plus, là. Dans le but, on va faire ça. Hein. Et on va... Oh, terrible. Terrible. Est-ce que j'ai besoin de me soigner? Pas du tout. Je suis à donf. Salut à ceux qui viennent de nous rejoindre. Waouh! Waouh, c'était comme un tremblement de terre! Êtes-vous bon? À skip, ouais. D'après Goombel. Yahoo! Vous avez mangé le Cortex? Ah non? Vous n'avez vraiment rien trouvé? Bah super, bah merci mec. Yes! Vous avez de la rechange maintenant, pourquoi tu veux avoir un avenir? Bah parce que c'est intéressant d'avoir un avenir quand même, contrairement à toi. Ceci est une dépression de tous les murs de fissures et sont vides, je me sens fou. Si je fais cuire ce mur, je pense que nous pouvons voler. Je pense que ça n'aide pas, le gars il est défoncé. C'est le genre de mec qui dit « Eh, je suis sûr, si on fait fumer le chien, il se transforme en dragon et tout, là. J'en ai trop pris, gros. Si je fais cuire ce mur, on va pouvoir voler, frère. C'est sûr. Je vais prendre des morceaux du mur, je vais les réduire en bouillie et tout, ça va être trop bon. Il est foncedé. Quoi, abandonné? Comment frevez-vous la bière? J'adore rire. Moi aussi, Narcisse, merci beaucoup pour les 3 mois de rire. Merci beaucoup.
Mais comment va-t-on exploser un truc fissuré comme ceci? Oh là là. Ce serait vraiment incroyable qu'on puisse faire ceci. Ah, ça a fonctionné comme je l'ai dit. Ouais, mon premier. D'accord. C'était sa première fois qu'il explosait un mur, on est heureux pour lui. Je vois tout, venez ici. Les autres sont quand même vachement patients, genre ils sont là, ils font... Ah ouais, putain, c'est ouvert. Ah vas-y, vas-y, passe, frère. Ouais, ça fait 3 jours que je suis coincé là, mais je suis pas du tout pressé. Cet air humide de la grotte n'est pas mon style, allons-y, Franck. Allez, salut. Salut, les gars. Salut, mon pote. Cassez-vous. Et qu'on vous revoit pas. Ils sont tous défoncés, ouais, bah c'est ça. Ils sont tous mangés entre eux, ils ont fait des enfants entre eux, donc voilà. Sauf la vie, je ne t'oublierai pas. Mais je dois courir maintenant. Ouais, c'est parti. Au revoir, Todd. On t'oubliera, toi, par contre, hein. T'inquiète pas. Bon, tiens, je vais revoir mon ami Waka Waka. Eh, regardez. Il est toujours là et je le défonce toujours. Attends, je vais lui parler avant. Waku, je suis Waka. Nous avons du beau temps aujourd'hui, à droite. Me fait sentir comme rien mauvais pourrait. Oula. Ne me fait sentir comme rien mauvais pourrait arriver un jour comme aujourd'hui, Wakadou. Eh ben, mange tes morts. Et oui, je joue en confusion. Super. N'oubliez pas beaucoup de choses. Nous, 25 ch... et 25 ch... J'ai hâte de me servir de ces 25 ch... On va prendre Gumili, qui elle au moins a une odeur, parce que pour l'instant, Bob n'a pas d'odeur. Vous le voyez? Alors que Gumbel a une odeur. J'ai pas forcément envie de savoir quelle odeur elle a, celle-là, mais... Surtout avec tout ce qu'elle a fait comme saloperie. Allez, je suis caché. Mais, ouais. Ah, dommage, on peut pas être défoncé. Tiens, c'est vous. Non, je vais pas vous voir, moi. Ah, Mario, bienvenue, le seigneur est stable. Alors, avez-vous trouvé les taxes? Des taxes. Je suis venu taxer tous les Todd perdus dans une grotte. C'est pour ça que je suis là, en fait. Je travaille pour les impôts. Ah, mais c'était donc ça, le porte-à-porte. On faisait du porte-à-porte pour réclamer le pognon. On est des huissiers de justice. Enfin non, des huissiers de tout court. Pas forcément de justice, je pense. Comment est notre petite expédition? Écoute, Spirit Cortex est utile pour protéger mon trésor. Vous êtes divorcé, mais tout, t'as arrêté. Putain, ça allait si vite entre moi et Cortex, genre, on a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, on est mariés puis divorcés. Ça va vite, hein, ça va très vite l'amour, hein, maintenant. Ah, mais qu'est-ce que tu penses? Voulez-vous être nice? Eh bien, j'aime ça, je pense. Hein, est-ce que ça pourrait être... ma femme? Vous, que faites-vous ici? Je cherche mon frère. J'ai vu toutes les façons à cette île. Tu cherches ton frère et ta femme en même temps? Là, on n'est même plus dans le nord de la France. Là, on est dans le nord du cosmos. Comment c'est possible? Enfin, après, si, c'est possible, du coup. Mais, wow. C'est, ok. Bah, écoute, félicitations à vous deux. Mais il y a une réunion fantôme et l'autre bateau a disparu. Mais maintenant, je l'ai trouvé. Hein? Vous trouvez ça tombé également? Donc vous faites tout pour la plage? J'avoue que je me faisais attaquer IRL. J'ai eu peur. Quoi? Oh, tenez-moi. Hein, ça c'était quoi? N'en profite pas, hein. Non, ne profite pas de... Hein. Profite pas de la l'agitation générale pour faire des trucs bizarres. Oui, 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 oui... Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont les X-Naughty. Les fours de mon fils, je veux dire... Je suis désolé d'être surpris. Non, attendez. Ce faux destin n'est pas nécessaire. Crystal de Portland avec un bon tir. Oh oui, c'est sérieux, bon travail pour moi. Maintenant, avez-vous 4 points? Ouais, y'a 4 yeux. Que fait-il là-bas? Eh, hey, faites-le, c'est dangereux. Un peu coco quand même, hein. Et qu'en est-il des réceptions chaleureuses? Une entrée dramatique ici. Oh, peu importe, je vous l'ai dit, un fou. Vous me reconnaissez comme les yeux. C'est vrai. Waouh! Mais non! Le grand Mr. Crump. Oh, je vais rire de toi. J'étais le leader de l'ombre et j'ai couru comme ça. Elle dit que c'est bon. Qui ça, ta petite amie parfaite?
crois que c'était toi la petite amie parfaite. On ne comprend plus rien dans cette histoire. Qui est avec qui? Ils sont tous entre frères et sœurs, c'est quoi le délire? Maintenant, Mario, fais-je-y. Je suis ici au salon, envoyez-moi les chrysalstères. C'est au salon. C'est le salon de l'auto mais des bateaux? Le salon des bateaux? Ça existe ça le salon? Bah ça aussi, certainement. Ça doit certainement exister, mais il faut un sacré grand endroit par contre. Hein. Parce qu'autant des voitures, ça prend pas énormément de place, mais des bateaux. Des bateaux quand même. Ça prend grave la place. S'il y a un salon du bateau, ça doit être fat sa mère, hein. Est-ce que vous savez ce qui va arriver si vous le faites pas? On va se prendre un tir de canon dans la gueule, quoi. Bref, faudrait apprendre à viser parce que quand même, Allez, t'es à 50 mètres. T'es à 50 mètres, t'arrives même pas à nous avoir, frérot. Après, en soi, s'ils nous tuaient, ils perdraient potentiellement les Crystal Stores. Donc, on comprend. Un blindé, autorisez les chaînes. Feu, brûle, feu. Oui, les quatre pirates sont ici. Folie. Mais pourquoi sommes-nous tous debout? Canon, ami, nous sommes des niches. Et voici des berins, nous sommes pas du tout bons à la voile. Attendez, je l'ai, je vais bien, nous avons un bateau, ensuite vous devez être cool. Mario, emmenez-moi, un cortex. Oui, mon cerveau s'est souvenu ce qu'il a dit. C'est pas lui, c'est son cerveau. Vous dites cortex à un navire. Si la légende est vraie, on ne peut pas arrêter le jeu. Flav, de quoi tu parles? Il est fou. Mais c'est le pirate cortex qui parle. Eh bien que Mario lui ait tiré dessus, Je vais pas tirer dessus, je vais sauter dessus, j'ai pas d'armes à feu. Ah quoi que si, apparemment on se bat avec des armes à feu dans le jeu, n'oublions pas. Hein. On a l'illusion de sauter et de faire des coups de marteau, mais c'est une apologie de la guerre, au final. On voit la guerre en HD, on tire avec des feux d'artifice et tout, non, c'est... Ah non, c'est la vérité. Ce qu'il dit est vrai. Quel dieu? Et comment payer? Il veut me rejoindre. Oh, à vous. Bonjour. Je vais être fou et quoi, mais je ressens encore. Je te protégerai. Nous sommes de la nourriture jaune, c'est nous. Nous sommes de la nourriture jaune. Bah c'est vrai qu'il est jaune. C'est vrai qu'il est jaune. Mais pas forcément envie de te bouffer, d'accord? Ni de monter sur ton nez, on le rappelle. Ta grosse queue en chocolat, t'en fais ce que tu veux, mais moi je vais pas la bouffer. Hein. Tu peux mettre du chocolat, de la confiture, de la chantilly, ce que tu veux, je la boufferai pas. Asseyez-vous et secouez notre langue. Ah non. Ah non. Non, vraiment. Non, non. Nous devons tester les raisins secs. Oui, non, mais d'accord. Comment ça, tester les raisins secs? Est-ce que c'est encore une image bizarre? Non, mais il a vraiment des problèmes. Lui, c'est vraiment un terroriste sexuel, hein. Vraiment. Vraiment, lui, il est à donf. Je veux pas me plaindre. Je suis ton patron et je suis parler à Cortex. Maintenant, Mario, prenez ce pirate. Pirate, cette fois. Bah, salut, les gars. On vous laisse vous faire tirer dessus. Moi, je me casse. Putain, je peux vraiment me casser en plus. Attendez, et si on faisait pas un truc de génie, genre... On va voir Cortex, mais en faisant le tour. En vrai, je peux le faire. J'en ai la capacité. Est-ce que j'en ai l'envie? La réponse est non. Par contre, je vais pas vous mentir. Mais ça veut dire qu'on peut techniquement faire ça. Ce serait incroyable qu'il y ait un truc caché si on fait ça. Alors que Cortex lui dit, mais t'es complètement con. Je peux le faire, on perdrait du temps, clairement. J'ai pas besoin d'XP en plus. Donc, Vraiment, là, on est là. Hein. On est là, on est bien. Hein. Allez, Cortez. Cortez, le roi des pyramides. Là. Mais si vous faites un let's play de Paper Mario, faites-le chez vous. Bien sûr. Faites semblant que c'est votre idée. Ça me va. Encore du doublage. Oh, oh, ironie du sort. Eh quoi, ça vient vous, mais je t'ai oublié, hein? Je vous parler. Vous louez des bateaux? Frérot, est-ce qu'il a vraiment une tête de revendeur de bateaux? Ouais, mais qu'est-ce que fais-je avec mon bateau? Mais qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Flavi, nous avons un gros problème, nous pouvons vraiment utiliser votre plateforme. Nous devons protéger nos équipes de pirates des plantes en explosant. Voilà pourquoi nous devons nettoyer le navire. Mais qu'est-ce que j'ai raconté, garçon? Je m'explique que le bateau est un voyage joyeux, hein? Si je peux vous emprunter, bah, le bateau est magique et il ne peut pas être déplacé maintenant. Les clés de ce navire sont crâne de crâne maître. Le crâne? Vous pensez? Youhou! Tu es un crâne!
Alors, ce n'est pas un crâne, il a un crâne. Attention, de la conjugaison. Oui, je le fais. Alors, que pensez-vous de cette offre? Prends un joyau donné à bon la famille de la famille et allez à notre bateau. Je suppose que c'est quelque chose. Ne pensez-vous pas à Cortex comme un vieil ami? Mais c'est lui, Cortex. Vieil ami, le vieil aide a volé la caisse qui a ouvert le bateau. Tu dois être très courageux à droite. Très stupide de demander. C'est vrai qu'ils sont courageux à droite, hein. Ils continuent, hein. Je dois être un moment fort et organiser une fête sur la plage. Attendez un instant. Je ne m'appelle pas Emario encore. Et s'il vous échoue, je le ferai le jeter à la mer et vous ne le trouverez pas là-bas. Est-ce qu'il se produit? Et tu fais vibrer mes os, monsieur Peacock. Monsieur Peacock. Très. Très, juste très. Pas très bien, pas très mal, pas... Tu me casses vraiment très très fort les couilles, c'est... Très. J'ai pas d'objectif pour te définir, frère. Très. T'es vraiment très. Vous aussi, si c'est chez vous, lorsque vous avez envie d'exprimer quelque chose, mais vous ne savez pas comment, dites... Très. Oui, j'accède votre offre, hein, soyez prudent. Surtout qu'il a une bonne assurance. Ah, sortez mon ami Flavio. Je ne distingue pas ma richesse dans les négociations. Vous pouvez parler du chemin de votre contrat. Vous allez maintenant faire. Là, qu'est-ce qui l'empêche de prendre la pierre et de nous défoncer? Rien. Oui, mettez-nous les craignez vite dans les mers. Néanmoins, je suis fou sur les œufs. Ah bon, on va te faire une omelette, t'inquiète, on te fera une petite toujours omelette. Toujours dans l'esprit du plaisir. Merci Nero Pentego. Merci beaucoup, les gros bisous. Merci d'avoir rejoint les zéro subs. Bon, c'est pas grave, on demandera à Jovien de te faire quelques œufs, tu seras très content. Maintenant, je peux tirer mes os et créer de la confusion dans la mer, comme votre voix. Comment ça, tirer tes os? C'est Mugiwara Luffy, voilà. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment le fantôme de Luffy. C'est en fait, là, on est en train de se spoiler One Piece de ouf, les gars. Je suis désolé, hein. Désolé pour ceux qui suivent One Piece, mais voilà, vous avez la réponse. Alors Mario, merci, j'ai achevé. J'ai soif. Putain, merde, j'ai soif. Merci Dragonoid, merci beaucoup pour ton premier sub sur cette chaîne. N'hésitez pas vous aussi à rejoindre les zéro subs actuellement. Merci à tous. Alors Mario, merci, je vais me comporter pour toujours tout en ordre. Eh ben on est content pour toi frérot. Mais on reste pas sur le bateau? Je comprends pas. Mais qui est-ce qui se bosse? Ah bah si, d'accord. Ah bah tout le monde est monté. Eh, nous viendrons également. Eh, prenons-les, hein, venez. Tous pour quelqu'un. Alors c'est tous pour un ou un pour tous, mais pas tout pour quelqu'un. Allez, un peu bulle, pantalon fantasy Flavio. Allez, Captain Stash. Il a un pantalon fantasy Flavio. Ouais, on l'a pas vu, effectivement. J'ai pas forcément envie de voir ça. Oui, c'est féminin depuis que j'ai eu des billes. Je suis venu. Encore! Ça fait beaucoup là, non? Encore quelqu'un qui est venu! Et ben voilà! Mais alors, comment un squelette vient? Là, on pose de vraies questions! Comment un fantôme vient? Je veux pas savoir, je veux pas d'explication, je veux pas de schéma, je veux pas de dessin. Faites rien, s'il vous plaît, ne répondez pas à ma question. Ça ne me va. Ça me va. Et je suis venu avec de l'eau claire! Ah bah, avec de l'eau claire. Ah bah, il m'a répondu en fait, j'avais pas vu. Les petites flammes! Finalement, c'est mes amis. Avec de la moelle. Putain, j'avoue. Mais, je dois sauver des bols. Et comment brûle la flèche? Tu t'es pas rendu compte que tout le monde s'est barré, là, à ce moment-là? Vous brûlez vos armes ici. Oui, j'ai encouragé la technologie. Mais tu es bon, mortel. Ah. Mais qu'est-ce que... Ah, ces voix, elles me niquent la gorge. Oh non, le retour de Cyprien le Mongolien, non. Non, il l'a remis. Ah, je le réentends. Ah. Non, pas Cyprien le Mongolien. Mais je le voyais en vue la vie spirituelle qui est tombée dans le fond de l'océan. C'est pas grave. Écoutez ma voix, mon père. Ouais, ils ont la même voix aussi, là, ça me saoule. Oh, je me nique la gorge.
Et vous l'aimez vous, mon père. Tu les prouves que tu es pur et significatif. Mario, capitaine, c'est maintenant votre fête et combattez. Ah, même les tonnes se battent, c'est incroyable. C'est fou ce qui se passe. Waouh! Ils ont formé une pyramide. Je donnerai du crime aux gens. Attendez, c'est pas vrai, je vais activer Paint. Ah non, pas Paint. Pitié, prends Photoshop. Profitez-en. Mais cette bataille est inévitable, on s'en doutait, hein. Très bien. Déjà, vous avez crevé très vite. 10 marins. Alors, excusez-moi, mais comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paper Mario ne sait pas compter. Ils ne sont pas 10. Vous mentez. Moi, je me la pète, ouais. Et cassez-vous maintenant. Et il est temps de faire du blanc-blanc sur Monsieur Crump. Regardons cette guerre en HD. C'est Monsieur Crump. Ah, il n'est plus calme. Oh. Ah, il est polyvalent. Ah, oh, ça c'est chiant ça. Ça, ça veut dire qu'il est bon ça. S'il est polyvalent, c'est il est fort. Les PMAX sont le 30, l'attaque de 3 et la défense est de 0. Ils ont juste attaqué alors ils s'en fichaient. Mais X-Sodium, qui est adjacent, a le pouvoir de tuer tout. Attends, le sel, c'est si fort que ça le sel. Ça, c'est le sel que vous avez depuis Fire Emblem ça. Hein. Ça, c'est votre sel. Vous voyez ce que vous en faites. Vous allez détruire le monde avec tout votre sel là, les mecs de Smash là. C'est toutes sortes d'étranges mouvements. Je peux le faire immédiatement. Bah vas-y, fais-le. Hein. Si tu peux le tuer à ma place, vas-y. Hein. Cependant, si nous prenons son chef, ils n'ont l'intention d'attaquer. Obtenez Crump. Quoi, il en ramène? Ah, il met au bout d'un moment, c'est chiant. Bon. L'ascenseur. Ah, ça faisait Sweet Egg. Récupère Mario et ses alliés et réparer le poison. Ah oui, c'est Caramel et le Caramel plus plus. Moi, je vais faire l'ascenseur. Hein. Tout de suite, nous allons monter vers le ciel. Vers le sel, plutôt. Alors. Bah yes. La manette de mon cul. Mais j'appuie, bordel. Je suis pas bourré. Mais j'appuie, bordel. Mais c'est quoi, je peux pas bourrer, en fait, sur cette manette. On peut pas bourrer sur cette manette, c'est dégueulasse. C'est peut-être à cause de l'émulation, hein, qu'on peut pas faire ça. Et là, super, là. Oh, bah bon, j'étais mort, Monsieur Crump, hein. Quoi, non? Cassez-vous. Cassez juste vous. Vous vous souvenez quand il a dit qu'il se plaindrait plus de la manette? Moi, non, je m'en souviens pas. Ça m'a pris une manette. C'est pas vrai. Hop là, c'est perdu. Bon. Bon bah j'ai une chance sur deux que ça marche. J'ai une chance sur deux d'aller me suicider dans un instant. Bah tiens, bah chèche. Chèche. Je vais m'énerver. I'm gonna nerve myself. Cassez-vous. Voilà, comme ça il n'y a plus la brume et je peux refaire une force de ruban. Ah voilà, là ça marche. Mais qui a pété un plomb. Vous pouvez pas vous échapper, mademoiselle. Alors, d'accord. Je vais pas faire d'objection, ça sert plus à rien. Consultez mon blog. Ah, ça fait sa pub. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. 10. Encore une fois, vous savez pas compter, les gars. Inutile. Inutile de ouf. Alors, encore une fois, vous êtes pas 10, les gars. Vous êtes beaucoup plus. Comptons ensemble combien ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là, j'avais compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 25, 26. Ils sont entre 25 et 27 parce que j'ai mal compté. Ok, bah écoute, c'était très impressionnant ce que tu viens de faire. Hein. Il était quand même censé avoir une autre attaque spéciale aussi. Hein. Mais on lui donnera pas le... On lui donnera pas le plaisir de la faire. Allez, salut mon pote. Hein. Salut mon...
Ah bah ah, si en fait, ah le bâtard. Ah là ils sont pas 10 non plus hein. Mais bah j'ai peur, c'est pas bon. Je pense qu'il y a presque un autre problème. Le temps pour acheter pour du 1 encore, je les sens, tu comprends. Oh là oh, oh, oh. Ok, ça va en fait. Ta gueule, pardon. Peut-être un petit peu vénère, je dois admettre. On va partir sur une... Bon, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Hop là, hein, je l'ai esquivé ton champignon, j'en veux pas de ta merde. On va faire un équilibre du sol, bien sûr, pas du tout. On va d'abord... On va refaire un ascenseur. On va espérer que ça marche cette fois. S'il vous plaît, ce sera bien. Là, il y en a 10, vous avez compté? D'accord. Je vous fais confiance. Bon, du coup, ça veut dire que je pourrais pas tout avoir. Voilà, il en a raté encore. Oh ouais, le plus 4 en attaque, il fait plaisir. Ça, c'est beau, ça. C'est ça qu'on veut. Attaque incontrôlable. Mon attaque est maintenant incontrôlable. Je suis une arme de destruction massive. Je vais toucher plusieurs R. Attention, je vais en toucher plusieurs. Je deviens incontrôlable. Je suis incontrôlable, on regardera. Allez, mon pote. Allez. Salut. Tiens, mange bien, t'es mort. Ouais, c'est bien, ouais. J'en ai rien à foutre. J'ai rien senti. Aïe, pardon, un d'attaque. Un d'attaque, c'est tout ce que vous faites, monsieur? C'est tout ce que vous savez faire? Allez, voir ce que je vais faire. Toujours dans l'esprit du plaisir. Merci, Papillon. Ouais, moi, ton armée de 10 personnes, là, voilà ce que j'en fais. Voilà, ça, c'est un 10. Ça, c'est un vrai 10. Quoi? C'est une honte. C'est une honte. Merci, moi, pour les 35 mois de plaisir. Allez, mon pote. Ah, ça dégage. Casse-toi. Zbré. Et oui, 37. 37 mois de plaisir, vous imaginez? 37 mois que vous passez un bon moment. Oh non, non, pas Cyprien. Oh, stop. Oh, malheureusement, le vieil homme, comment je vais perdre? Je déteste perdre. Oh, maintenant, je dois penser à la prochaine exclamation. Est-ce qu'on peut juste parler vite fait de ça, là? Ici, là. Il y a un petit problème, on est d'accord. Quelque chose qui se passe mal. Ah, je pense pouvoir le dire. Ouais, mais donc, j'aurais pensé à la prochaine exclamation. Avec ça, BOUM! Je m'en vais. Sensationnel. Sensationnel, exactement. Merci, Altalus, pour le Twitch Prime. N'hésitez pas à retenir, à rejoindre la Zero Army. Vous êtes plus de 0 subs sur cette chaîne. Regardez, c'est écrit en haut. Merci à tous. Ouais, ouais, nous sommes vaincus pendant un certain temps. Il y a un manque de surface, j'en suis sûr. Je sais pas qui a parlé. Manger de la noix. Quelqu'un a dit manger de la noix. Bah, est-ce que vous avez des noix? Non, moi j'ai pas de noix. Merde. Ah, vite, il faut que j'enlève cette musique. Quoique, vous savez quoi? Je vais vous la laisser. On vient de terminer le chapitre, ça c'est une belle histoire. Et vous savez ce qu'on fait la prochaine fois? La prochaine fois on a Peach et Tech. Des gros bisous YouTube. C'est la fin de ce chapitre, on va bientôt passer au prochain en VOD. T'inquiète pas, ça arrive bientôt. Mais ça fait une heure pile pour la VOD, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est bien joué. Allez, des bisous YouTube, à très vite.